J'aimerais poser une question. Quelle est la logique derrière le choix de remplacer M. Bessette à la tête du comité environnement par Alain Paradis? Qu'est-ce qui a été la motivation du conseil de remplacer un gars de la terre, un agriculteur, par quelqu'un qui gagne sa vie au téléphone puis qui vous avoue à la télévision que c'est un émotif, que les gens ne l'appellent pas? Je pose la question. C'est correct. Que j'ai fait rire quelqu'un ici? Calme, Alain. Qui est au téléphone, là? Ça, c'est l'autre qui est au téléphone, je m'excuse, mais c'est celui qui était président avant. Mais non, je pense qu'on avait répondu dans le passé à cette question-là. J'ai pas connaissance de la réponse. Je me demandais quelle est la logique derrière le remplacement de M. Bessette par Alain Paradis au comité environnement. Bien, M. Paradis a travaillé beaucoup, beaucoup sur le comité environnement dans les années passées. Alors, je pense que la logique voulait que M. Paradis revienne au comité environnement. Et comme président, alors je pense que M. Paradis fait un excellent travail. Écoutez, mais je ne comprends pas le fondement de votre question, mais écoutez, M. Paradis est là. Et... Je vais y venir. En 2009, M. Paradis se présente dans le district numéro 10. Il y a l'équivalent de 10 terrains de football qui va être rasé, un milieu humide important. Le Boisé Douglas, je pense que tout le monde reconnaît que ça a été quelque chose. Sur Facebook, M. Paradis, il poste 4 vidéos, mais il ne parle jamais du Boisé Douglas. On est en période d'élection. Moi, je lui ai posé la question. Sa réponse a été effacée par l'administrateur du site parce que c'était de la calomnie, c'était de la diffamation. Moi, ma question en soir, c'est pourquoi avoir placé quelqu'un qui est bouillant à la tête du comité environnement? Quand on sait qu'on a un plan de conservation qui vaut entre 35 et 50 millions de dollars, c'est quoi la raison derrière ça? Avez-vous compris ma question, M. le maire? Moi, j'ai très bien compris votre question, mais je pense que je n'ai pas nécessairement à y répondre comme tel, parce que ce que vous venez de dire, c'est que M. Paradis, le Bois Douglas, le laissait aller. En fait, je m'excuse, mon cher monsieur, mais M. Paradis, au moment où on a entrepris la coupe du Boisé Douglas, c'était le grand défenseur du Boisé Douglas. Alors, je pense que ce que vous venez de dire, ça, c'était peut-être dans une autre campagne que vous parlez, là. Mais au moment où M. Paradis siégeait ici, M. Paradis, il était contre la coupe du Boisé Douglas et je pense que c'est de notoriété publique. À partir de ce moment-là, vous pouvez peut-être prétendre n'importe quoi de M. Paradis, mais il est président du comité environnement et c'est ça. Il va rester président du comité environnement. Écoutez, je suis un petit peu confus face à votre réponse, pour la simple raison qu'il y a 2 ou 3 semaines, peut-être un mois, M. Paradis a déclaré que c'était normal pour une ville de couper un boisé tout le long d'une autoroute. C'est pas vraiment la parole d'un défenseur. Excusez-moi, là, je dois. Bien là, moi, je ne l'ai pas entendu. Celle-là, pour M. Paradis, est-ce que vous... J'ai mentionné que les terrains en bordure d'autoroute, M. le maire, dans toutes les municipalités, je ne parlais pas exclusivement de Saint-Jean, toutes les municipalités, les terrains, c'est de notoriété publique, les terrains en bordure d'autoroute sont des terrains de grande valeur. Malheureusement, ici, le terrain qu'on avait en bordure de l'autoroute, c'est un terrain qui était boisé. J'aimerais bien que tu me répondes, Alain. Excusez-moi, comment monsieur. Comment ça se fait? Monsieur, on vous a laissé parler, là, vous. M'excuse, là, laissez parler les autres. Monsieur Rochette, s'il vous plaît, appelez-moi M. Paradis, je vais vous appeler M. Rochette. Je pense qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble. Fait que vous conserverez ça. Je sais que ce que vous faites ce soir, c'est une petite vendetta sur le passé. Si vous avez des choses à dire... Pardon, M. Paradis, vous... Je n'ai pas fini de parler. J'ai dit, ce que vous faites, là, c'est une attaque personnelle pour essayer une petite vengeance personnelle. Et ça va me faire plaisir si vous voulez en parler. Moi, je connais des choses sur vous que je ne divulguerai pas ici parce que je considère que c'est personnel. Et excusez-moi. Excusez-moi. M'excuse. J'ai dit... Est-ce que je dois me sentir menacé par ce que vous venez de me dire, M. Paradis? Ça, M. Rochette. M. le maire, passez nos sujets. Si OK, M. Rochette, je m'excuse, mais ça, on devient, là, c'était pas un talk show ici, là. Alors, M. Paradis est au comité environnement. Vous avez posé des questions dessus. Il va rester au comité environnement. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. D'autres questions, s'il vous plaît? Merci.